Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la pression internationale monte d'un cran. À l'approche de la présidentielle 2018, le chef de l'État du Cameroun est appelé à suivre l'exemple de Nelson Mandela qui avait quitté le pouvoir en Afrique du Sud. Une telle suggestion d'un diplomate américain laisse entrevoir une ingérence et une menace à peine voilée selon les défenseurs du régime de Yaoundé. Vous verrez dans ce journal comment le Cameroun est devenu un nouveau terrain d'influence diplomatique. Une avalanche d'attaques attribuées aux séparatistes anglophones a entravé la fête nationale de l'unité dans les régions anglophones et les localités voisines. Des populations prises de panique ont déserté la place des fêtes. D'autres n'ont pas osé sortir, redoutant des représailles. Le visage de la fête nationale de l'unité dans les régions anglophones et l'arrière-pays, c'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. En 16 heures, troubles de la vie sociopolitique du Cameroun, le président de la République est-il encore l'homme providentiel capable de sauver le pays d'une guerre civile inutile? Les partisans du RDPC soutiennent mordicus que Paul Biya est l'homme de la situation, un avis que ne partage pas l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Après une audience que lui a accordée le chef de l'État, Peter Henry Baldwin a suggéré au président Paul Biya de suivre l'exemple de George Washington et Nelson Mandela, deux figures emblématiques de l'histoire des États-Unis de l'Afrique du Sud, qui ont transformé le pays et quitté le pouvoir respectant la constitution américaine et sud-africaine. Que signifie cette décision et cette suggestion que fait ainsi un diplomate américain? Quelle réaction a suscité une telle déclaration? Élément de réponse dans ce reportage que signe Ike Cyril. Vendredi 18 mai 2018, soit 24 heures après l'audience que lui a accordée le chef de l'État au Palais de l'Unité, Peter Henry Baldwin, ambassadeur des États-Unis au Cameroun, brise le silence qui entoure généralement ce type d'activité diplomatique et livre à l'opinion nationale et internationale les secrets de son entretien avec Paul Biya. L'armée camerounaise commet des massacres ciblés dans les zones anglophones, écrit le diplomate américain dans un communiqué à l'AFP. J'ai personnellement causé avec le président Paul Biya pour lui faire part de l'inquiétude des États-Unis d'Amérique et lui transmettre la volonté des USA à ce qu'il se retire de la tête du Cameroun. Sur cette question justement, l'ambassadeur écrit encore « Je l'ai exhorté à ne plus se présenter à l'élection présidentielle, comme Nelson Mandela, George Washington, qui ont laissé leur nom dans l'histoire de leur pays. » Le diplomate conclut en disant que 35 ans à la tête d'un État est trop pour un pays dit démocrate. C'est le 18 juillet 2017 que Peter Henry Baldwin a été nommé ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Ses propos sur la crise anglophone et la longévité de Paul Biya au pouvoir arrivent au lendemain d'un chassé-croisé que le diplomate américain a eu avec le ministre camerounais de la Défense, alors que les États-Unis d'Amérique faisaient un don de deux aéronefs à l'armée camerounaise. La gestion de la crise anglophone et la longévité de Paul Biya au pouvoir ont refroidi les relations entre Washington et Yaoundé face à un temps menaçant. Paris reste-t-il le dernier rempart du pouvoir de Yaoundé? Rien n'est moins sûr au moment où les États-Unis accusent le gouvernement camerounais d'assassinats ciblés dans les régions anglophones concernant cette crise sociopolitique. La France qui apporte son soutien au pouvoir de Yaoundé en dénonçant les actes perpétrés contre des gendarmes déployés sur le théâtre de la crise anglophone. Analyse avec Guy Zogo. C'est un acte de désamour, peut-être l'amorce d'une rupture. La sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Henry Baldwin, sur la crise anglophone et la longévité aux affaires du locataire d'Itoudi, à l'issue d'un tête-à-tête avec ce dernier, sonne comme un retentissant camouflet pour Paul Biya.
Dans cette démarche, Washington n'est pas loin de l'ultimatum qu'il avait formulé à l'endroit de Mobutu Sese Seko, alors chef de l'État zaïrois, en lui indiquant en 1997, par la voix de Bill Richardson, que le pays de l'oncle Sam n'entendait pas voir sa dépouille traîner dans les rues de Kinshasa. Certes, Paul Biya n'est pas Mobutu Sese Seko, Yaoundé n'est pas Kinshasa, et la situation militaire et sécuritaire du Cameroun n'a pas atteint le degré de décrépitude du Zaïre en 1997, mais la crise anglophone, sur laquelle rebondit le représentant de Washington au Cameroun, se situe indéniablement à son pic de gravité. À ce sujet, selon toute vraisemblance, l'action militaire semble s'avérer une impasse au point de réduire les deux parties à se livrer à des atrocités innommables. Bien plus, depuis 1982, cette crise est la plus longue à laquelle Paul Biya est confronté. Celle avec Amadou Ahidjo avait duré d'août 1983 à avril 1984, soit 9 mois. Les villes mortes entre 1990 et 1991, près de 6 mois. La crise anglophone, elle, dure maintenant depuis plus d'une année. La sonnette d'alarme de Peter-Henry Ballerin s'appuie donc sur des éléments pertinents qui suscitent le questionnement. Quant à la question de la longévité aux affaires du président de la République, elle pourrait aussi avoir un lien avec la dégradation de la situation sécuritaire qui pousserait Washington à voir en Paul Biya un président dépassé, peut-être du passé, lequel serait alors relégué au statut de peu compatible avec la vision de Washington dans le golfe de Guinée, voire en Afrique centrale. De plus, cette estocade est une mauvaise nouvelle pour Paul Biya, qui pensait avoir derrière lui les querelles avec les diplomates depuis qu'en 1992, il s'était débarrassé de Frances Cook, l'intransigeante diplomate américaine. Mais le chef de l'État camerounais a un atout maître avec Paris qui lui a souvent sauvé la mise, même si jusqu'ici, aucun atome crochu ne lui a été trouvé avec Emmanuel Macron. La toile s'enflamme depuis la présentation de la nouvelle limousine du président de la République du Cameroun. Vous l'avez peut-être remarqué au boulevard du 20 mai à Yaoundé, une Range Rover Sentinel qui est une véritable forteresse mobile, édition limitée et personnalisée à la demande du client. Cette voiture de luxe a des caractéristiques et un prix hallucinant qui ont provoqué de vives critiques au moment où le Cameroun traverse une situation sécuritaire difficile, mais aussi une crise économique sans précédent. Cependant, il y en a qui défendent le choix de cette voiture, estimant que la sécurité d'un président de la République n'a pas de prix. Et cette voiture de luxe, c'est un patrimoine du Cameroun et non une propriété de Paul Biya, selon certains internautes. Regard croisé dans ce reportage que signent Joël Essengue, Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Cette photo, qui est un condensé d'images, résume à elle seule l'essentiel des réactions négatives qui ont suivi la découverte du nouveau bijou du président de la République. C'est une Range Rover Sentinel qui a été présentée pour la première fois en septembre 2015 dans le cadre d'un salon londonien dédié aux équipements de défense et de sécurité. Elle coûtait alors la bagatelle de 400 000 euros hors taxes, soit l'équivalent de 260 millions de francs CFA. 3 ans plus tard, elle coûte certainement plus cher, entre 400 000 et 600 millions de francs CFA. Une forteresse roulante dont l'arrivée au boulevard du 20 mai a suscité une vague de réactions sur la toile. Des Camerounais estiment que le président de la République a fait fort en s'offrant ce luxe ultra sécurisé, alors que ses compatriotes tirent le diable par la queue. Paul Biya est alors qualifié d'homme au train de vie mirobolant et extravagant, dans le style qu'on lui connaît. Le journal Le Popoli, par exemple, parle du nouveau char qui est arrivé, non sans mettre en garde les femmes qui seraient tentées de suivre les traces du président de la République. D'autres caricatures prennent la forme de moqueries lorsque certains compatriotes ne se vantent pas eux aussi d'avoir leur Range Rover, même si c'est dans les rêves. Mais les réactions ne sont pas que négatives. Il y a ceux des Camerounais qui estiment que le président de la République mérite une telle acquisition. Lui dont le véhicule était tombé en panne à Mondo Vision, au boulevard du 20 mai. Ceux qui défendent Paul Biya estiment qu'il aurait dû remplacer sa vieille limousine et à belle lurette.
mais il a toujours refusé avant de finalement céder. Pour d'autres encore, cette Range Rover Sentinel n'appartient pas à Paul Biya, mais au futur dirigeant du Cameroun. Pour ceux-là, il s'agit d'un investissement dans la durée, des réactions et bien d'autres qui animent les débats sur les réseaux sociaux. Bon à savoir, cette trouvaille du département personnalisation et projets spéciaux du constructeur britannique Land Rover est conçue pour résister à des attaques armées. Les balles, grenades et divers explosifs échouent sur sa carrosserie hyper blindée, ce qui justifie son prix jugé astronomique pour un pays pauvre et très endetté comme le Cameroun. Sur le théâtre de la crise anglophone, une avalanche d'attaques attribuées à des bandes, aux bandes armées séparatistes a entravé la fête nationale de l'unité des populations prises. De panique ont déserté la place des fêtes à Loum, redoutant l'arrivée des bandes armées séparatistes. D'autres n'ont pas osé sortir de leur maison pour participer aux parades militaires et civiles, redoutant de leur côté des représailles. Des précisions avec Jacques Molon et Gladys Sidier. À Loum, dans le département du Mongo, ville frontalière à Tambel, localité du sud-ouest, une fausse rumeur annonçant la présence des assaillants dans la ville a momentanément perturbé le défilé. Partis politiques et élèves, plusieurs ont abandonné les pancartes pour chercher un abri. Ne courons pas! Les choses sont sous contrôle, calmons-nous! Ne courons pas dans tous les sens! L'information a été démentie quelques minutes plus tard par les autorités. Il ne s'agissait en fait que d'une patrouille d'hommes en tenue qui effectuait les derniers réglages avant le passage devant la tribune. Un moment de panique qui a contraint le sous-préfet de Loum à rassurer les populations dans un contexte de forte tension. Nous devons tout faire pour rester unis, pour que le Cameroun aille en avant. Je voudrais dire à toutes les populations de Loum que nous passons des périodes un peu difficiles. Ce n'est pas de monter le cœur que nous sommes très souvent amenés à restreindre certaines libertés. Et je voudrais déjà observer que tout à l'heure, nous avons eu une chair de poule. Heureusement que tout est bien, qui finit bien. Côté parti politique de l'opposition, l'on pense que le chef de l'État peut mettre fin aux souffrances des populations en proie à ce climat d'insécurité. Nous sommes tous d'accord avec l'unité nationale, mais nous ne sommes pas tellement contents parce qu'il y a deux provinces qui sont dans des problèmes. Toute la population de Loum demande pardon au chef d'État de faire tout et tout pour mettre la paix dans les deux provinces. Pour qu'en criant l'unité nationale, qu'on crie fort et dans la foi. Tombel qui est à côté de nous, pendant que nous vivons, ils sont en détresse, ce n'est pas bien. Les nouvelles provenant de Tombel, localité voisine, ont davantage nourri les craintes des populations de Loum. Les forces de sécurité ont échangé des tirs avec des assaillants durant plusieurs heures à Tombel, ce qui a semé la panique générale et contraint les populations à rester terrées chez elles. Il y a certains assaillants qui ont décidé d'attaquer la nation. Et ces mêmes gens, ce matin, ils ont attaqué et à la gendarmerie, et à la police, et même à la résidence du sous-préfet. Donc comment vous voulez la paix en attaquant à l'institution étatique? Je condamne ça avec une dernière énergie. Le reporter d'Equinox Télévision, seul média présent, a dû montrer patte blanche avant d'accéder à la place des fêtes. Constat fait, pas de civils, pas de parti politique. Seul le sous-préfet et quelques hommes en tenue ont pris part au défilé du 20 mai à Tombel. C'est dire que tout le monde n'avait pas le cœur à la célébration de la fête nationale de l'unité. Nous serons tous là au bord de la mer. Restons dans les localités voisines à ces régions anglophones en proie à des violences depuis quelques années, notamment à Mandjo où les festivités ont connu une couleur particulière en raison de la présence de nombreux déplacés ayant fui les exactions commises sur le théâtre de la crise anglophone. Des précisions avec Jacques Molon et Julienne Berthe Bissaille. Unis comme un seul homme, les populations de Mandjo dans le département du Mungo disent oui au vivre ensemble.
Ils ont massivement pris part à la traditionnelle fête nationale de l'unité, tenue à la place des fêtes. Militaires, établissements scolaires, partis politiques, personnel de santé, associations et conducteurs de mototaxi n'ont pas dérogé à la règle. Une satisfaction pour les autorités. Sans unité nationale, il ne saurait y avoir de Cameroun. Donc, que nous nous mettions tous ensemble, la main dans la main, afin de préserver cet héritage que nos grands anciens nous ont légué. La ruée des populations à la place des fêtes de Mandio est la résultante du flux élevé des réfugiés de la crise anglophone. Nous avons constaté que la population de Mandio a augmenté très grandement. Pendant que le chef de l'État trouve une solution un peu rapide pour ces problèmes de la crise anglophone, je crois que nous continuons à accueillir la population qui vient en détresse. Le climat sociopolitique délétère dans le pays préoccupe de plus en plus les citoyens camerounais qui estiment que seul le dialogue inclusif est la voie de sortie. Tout le monde est d'accord qu'il y ait un dialogue. Et beaucoup de fonctionnaires restent et donnent de faux messages au président de la République. Ce problème est très très facile à régler. Les gens, les hommes doivent se réunir, rester ensemble pour trouver la solution parce qu'il y a une crise vraiment profonde. Ce qui se passe chez les anglophones se passe aussi chez les francophones, mais nous n'avons pas souvent le courage de nous exprimer. Ces populations qui vivent la peur dans le ventre pensent qu'il est temps que l'État prenne ce problème au sérieux. Durant cette fête nationale de l'unité, la présence des forces de sécurité a rassuré des communautés installées à proximité de ces localités en proie à la violence dans les régions anglophones. C'est le cas à Melun, où les populations ont défilé pour la paix et la sécurité au Cameroun. Cyril Diemba et Flavien Valondongo. Des pas marqués au rythme des chansons. C'est le défilé du 20 mai à Melun, l'un des arrondissements du département du Mungo, région du littoral. Dans une ambiance de paix, du vivre ensemble et surtout de sécurité, les élèves du primaire et du secondaire, des associations sportives, des partis politiques du pouvoir comme de l'opposition, ont répondu présents au défilé du 20 mai à Melun. Alors que des activités se déroulent devant les autorités locales et surtout sans incident, le reporter s'est rendu dans les villages qui jonchent l'axe Melun-Benguem en direction de la région du Sud-Ouest. Surpris en train de prendre un verre, les habitants de cette localité disent vivre dans la paix. On n'a pas pu aller au défilé, on est même malade, on est handicapé financièrement. Ça se passe très bien. Vous me voyez devant une bière, la fête nationale. La fête nationale, ça veut dire que je suis en joie. Nous sommes des fans d'Equinox, en 2. En ces jours, le monde est dans la tranquillité, la paix. En 2, comme dans d'autres villages, les populations implorent la paix au regard des exactions perpétrées par les sécessionnistes dans les régions anglophones. Le passage dans ce village des éléments des forces de défense dégage les odeurs de sécurité, malgré la psychose qui pousse les populations des villages secoués par la crise à se déplacer. C'est la route de Benguem, Melun Benguem là. Ils sont là pour la sécurité, ils ne dorment pas, ils sont en train de lutter contre ces désordres qui sont en train de vouloir nous nuire. Ils passent nuit et jour. La célébration du 20 mai 2018 à Melun et ses environs s'est déroulée dans la paix et surtout la sécurité. Dans le département du Nyon-Ékélé, la célébration de la fête nationale de l'unité a été l'occasion de relever une fois de plus les difficultés que rencontrent les populations. Là où il y a des difficultés relatives aux infrastructures routières, elles ont dû attendre l'arrivée d'un train affrété spécialement pour qu'elles participent à cette fête du 20 mai, notamment dans les localités de Mesondo, Ezeka et Diban. Des précisions dans ce reportage de Joël Niem et Xavier Foucault. Les autorités et les populations des Eka ont magnifié le vivre ensemble lors de la célébration de l'édition 2018 de la fête de l'unité, présidée ici par le préfet Peter Tiendé. Le discours de circonstance a fait écho de ce concept
et interpeller chaque acteur pour son effectivité. Dans le département du Yon-Ékéné, dans le chef-lieu Ézika, chacun de nous doit être conscient du rôle déterminant qu'il va jouer dans la suite grâce à sa collaboration. Il s'agit de faire participer les populations elles-mêmes à la construction de cette nation. À une cinquantaine de kilomètres de là, Mossondo, arrondissement dirigé par Maïwola Angel, qui a présidé l'intégralité de la cérémonie. Sans ce train, prévu pour transporter gratuitement les populations, il n'y aurait pas eu de défilé dans cette localité à cause du manque de route. À Diban, toujours dans l'Union Ékélé, la pluie a été au rendez-vous. Le moment fort de cette édition, c'est la remise des chaises roulantes aux personnes handicapées. Au dit du maire, ce geste de bienfaisance est non seulement une preuve d'unité, mais est aussi et surtout une tradition locale. Dans le département d'Union Ékélé, des rythmes, les sons et les couleurs ont aussi été au rendez-vous lors de l'édition 2018 de la Fête de l'Unité. À Bertois, le 20 mai a vu la participation des nombreux réfugiés centrafricains installés dans la région de l'Est, des réfugiés qui ont fui l'instabilité sécuritaire et politique de ce pays d'Afrique centrale. Reportage Benjamin Issam. Malgré la pluie tombée ce 20 mai 2018 dans la ville de Bertois, la 46e édition de l'État unitaire a été célébrée avec faste. Une soixantaine de personnalités civiles et militaires ont reçu des médailles dans les différents ordres et grades, dont Mgr Joseph Atanga, archevêque de Bertois, fait officier de l'ordre de la valeur. La parade militaire s'ouvre immédiatement par le passage des troupes à pied, puis motorisées. Le bataillon d'intervention rapide est ovationné au passage pour ses prouesses sur le front de Boko Haram. La gendarmerie nationale, la douane, l'administration pénitentiaire défilent devant le gouverneur Grégoire Vongo. Le défilé civil, lui, sera marqué par le passage d'un carré des réfugiés centrafricains. Les écoles primaires saluent les mérites de l'unité nationale et du vivre ensemble à travers des chants patriotiques. L'école normale supérieure de Bertois, dont c'est le premier défilé, arrache les applaudissements du public ainsi que le passage des partis politiques, notamment le FSNC, le MRC, le SIF, l'UNDP et le RDPC. Tout le monde n'avait pas le sourire dimanche, un jour de fête nationale de l'unité. À Tian, la présidente d'une sous-section du RDPC, le parti au pouvoir, s'est subitement écroulée et est décédée sur le chemin de l'hôpital alors qu'elle se rendait à la place des fêtes pour participer à la célébration de la fête nationale de l'unité. Le récit des faits avec le clerc Sakem. Perché sur les vérandas, ces militaires filtrent l'entrée-sortie de la place des fêtes de Tchon à l'occasion de la fête de l'unité 2018. Le climat social, parfois tendu, qui règne dans cette cité, a amené le préfet Boudé Confiance, interdit l'activité des mototaxis après 22 heures. Alors que le dispositif est mis sur pied pour la grande parade du 20 mai à Tchon, cette dame s'écroule et rend l'âme sur le chemin de l'hôpital. Malgré cette tristesse, les populations de Tchon vont magnifier leur vivre ensemble. Un travail bien fait, la patrie est reconnaissante. Ces hommes reçoivent des distinctions. Le défilé s'ouvre ici par les forces de défense. Ensuite, des défilés civils colorés par les sons patriotiques avec pour dénominateur commun le vivre ensemble dans la paix. Les associations culturelles et sportives ne sont pas du reste. Le jet démocratique est respecté par les partis politiques qui ont battu les troupes à l'instar du FSNC qui a fait une démonstration de force. L'autorité administrative se réjouit de la mobilisation populaire. C'est l'occasion pour moi de remercier d'abord toutes ces populations
Et tout au long de cette semaine, ils ont participé. C'est l'occasion aussi de remercier les organisateurs, les différents présidents des commissions. L'occasion aussi vraiment de remercier M. le recteur de l'université, les leaders des partis politiques, les responsables des forces de maintien de l'ordre. Parce que dans une symbiose, ils ont montré une fois de plus que le Cameroun reste uni et indivisible. Dans l'arrondissement de Fongo-Tongon, frontalier à la région du sud-ouest Cameroun, pour raison de sécurité, le défilé a été délocalisé de la sous-préfecture pour la place du marché. Des membres du gouvernement défendent avec la dernière énergie leur vision du vivre ensemble et la pertinence des activités organisées à la faveur de la 46e édition de la Fête nationale de l'unité. À ce sujet, je vous propose de suivre les explications du ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutsou. Il s'est agi à travers ces espaces d'échange locaux de mobiliser les diverses communautés ethniques, religieuses, traditionnelles et différentes catégories socio-professionnelles et même politiques dans le cadre de réflexions et d'actions relatives à la promotion d'une coexistence pacifique harmonieuse. Les participants ont identifié les entraves à la dynamique du vivre ensemble et formulé quelques résolutions et recommandations susceptibles d'améliorer notre vivre ensemble et partant renforcer la dynamique d'unité et d'intégration nationale. La célébration de la fête nationale semble être éprouvée plus que par le passé, par la résurgence de courants idéologiques extrémistes, des discours exaltant un ethnocentrisme exacerbé et des appels à la partition de notre cher et beau pays. Cet ensemble de facteurs sont de nature à compromettre la paix et l'unité chère à tous les Camerounais. À l'occasion de cette fête de l'unité nationale, un célèbre industriel camerounais, cité parmi les plus grandes fortunes d'Afrique francophone, a reçu la reconnaissance de la nation pour l'ensemble de son œuvre. Kadji de Fotso, fondateur de l'Union camerounaise de brasserie et capitaine d'industrie, a reçu une médaille des mains du gouverneur du littoral, représentant personnel du chef de l'État. Reportage Séverin Chouban et Sylvestre Hippolyte Zangao. Une ambiance de fête pour célébrer un bras fort de l'économie camerounaise. Les personnalités les plus influentes de la région du littoral se sont rendues à la résidence de Joseph Kadji de Fotso à Bonandjo à Douala pour lui témoigner la reconnaissance de la nation. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur. L'opérateur économique et fondateur du groupe Kadji, qui emploie plusieurs milliers de personnes, a été élevé au rang de grand officier de l'Ordre national de la valeur. C'est le gouverneur de la région du littoral en personne qui l'a lui accroché au nom du président de la République. Joseph Kadji de Fotso, c'est toute une vie consacrée au service du Cameroun, une pierre solide de l'économie du pays qui est un pilier dans plusieurs secteurs d'activité. Le maire de Bana dans le département du Hongkam, grand industriel et homme d'affaires, contribue depuis des décennies à la lutte contre le chômage au Cameroun. Nous avons effectué le déplacement de la place de fête de la Bessèque pour la résidence de Père Kadji de Fotso, tout simplement compte tenu, n'est-ce pas, de sa santé fragile. Il n'était pas évident pour lui, n'est-ce pas, de pouvoir prendre part à cette fête. Et c'est en cela que nous avons jugé utile d'arriver ici et surtout de lui témoigner toute l'estime que le chef de l'État a pour lui, pour tout ce qu'il a fait sur le plan économique et même politique dans notre pays. Donc ce grade, n'est-ce pas, de grand officier de l'Ordre national de la valeur montre tout simplement que la patrie lui est reconnaissante et en particulier le chef de la société Paul Biya. Joseph Kadji de Fotso est donc un de ses fils parmi les plus méritants que la nation a honoré en célébrant la 46e édition de la Fête nationale de l'unité. Un public reportage dans ce journal. Orange Cameroun connecte l'université d'État de Tchang au numérique afin de faciliter l'accès aux nouvelles technologies pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants et l'administration de cette université.
Reportage. Au bout de cette plume, de signatures couchées sur ces documents, le rêve devient enfin réalité. Orange Cameroun et l'université de Tchamba dans la main pour une longue aventure. Cet accord de partenariat entre l'entreprise citoyenne et l'Institut la plus nationale du Cameroun a été signé ce 18 mai 2018 au campus principal à Tchamba par Frédéric Debord, directeur général d'Orange Cameroun, et Roger Tafarnan-Fotso-Pépin, recteur de l'université de Tchamba. Orange Cameroun se positionne clairement comme le partenaire de la transformation digitale au Cameroun, entend apporter des solutions innovantes, simples, efficaces, fiables et durables aux divers besoins exprimés et répertoriés par cette institution. L'université de Tchamba, culturellement diversifiée, située à l'interface des blocs linguistiques francophones et anglophones, c'est la seule de ce genre au Cameroun. C'est aussi la seule qui, par la volonté du chef de l'État, est territorialement présente dans 6 des 10 régions du pays. 30 000 étudiants, encadrés par 478 enseignants et 710 personnels non enseignants, font la force de son offre. Un atout qui séduit Orange Cameroun. Nous avons travaillé depuis un long moment pour arriver ensemble à mettre à disposition ces étudiants, des solutions, à travailler aussi de façon vraiment globale avec l'université pour continuer tout ce que Orange a fait. C'est un point de départ. Nous avons beaucoup de solutions, nous avons beaucoup d'accompagnement ensemble. Le recteur de l'université de Tchamba se réjouit de ce partenariat. C'est un jour extraordinaire que ce 18 mai 2018 où après d'intenses échanges, d'intenses discussions et négociations, nous sommes parvenus aujourd'hui avec Orange Cameroun à signer un accord de partenariat qui est une pierre importante dans la mise en œuvre du système licence, master, doctorat que les universités camerounaises ont embrassé avec toutes les universités d'Afrique centrale. Vous savez qu'au cœur de ce système, il y a la professionnalisation. Mais vous ne pouvez pas avoir la professionnalisation sans l'entreprise, sans le monde de l'entreprise. Et au cœur de l'entreprise, nous avons trouvé un partenaire extraordinaire qui a accepté de nous accompagner, c'est Orange Cameroun. Pour joindre l'utile à l'agréable, le directeur d'Orange Cameroun a assisté et encouragé les athlètes de l'université de Tchamba qui ont participé à la 21e édition du rendez-vous des COPS à Marois. Orange, leader de la téléphonie mobile au Cameroun, promet que les toutes premières retombées ne vont pas tarder pour que vive la coopération entre l'université de Tchamba et Orange Cameroun. Le fan club de cette institution a été mis à contribution pour dire merci à Orange Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission 100% foot présentée par Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonne soirée sous cette même antenne.